Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment dégrader une image dans Photoshop. Et avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner, de commenter, liker et de partager la vidéo si vous voulez bien. Et on passe directement sur Photoshop. Et je vais importer d'abord les fonds. Je passe par Fichier, Ouvrir et je fais deux fois clic. Voilà, c'est bon, c'est facile, j'ai importé les fonds. Et je vais maintenant importer l'image que je vais mettre en dégradé. Et toujours par l'onglet Fichier. Et cette fois-ci, je vais maintenant sur Importer et lier. Je clique. Et je prends par exemple mon image, bien que c'est en PNG. Je fais deux fois clic. Voilà, vous voyez que j'ai importé et je vais agrandir. Après, je valide. Et après avoir importé l'image, vérifiez bien que non, les calques de l'image que vous voulez mettre en dégradé est vraiment sélectionné. Si c'est bon, je vais maintenant cliquer sur les masques de fusion. Je clique et j'ai maintenant les masques. Vérifiez bien que non, c'est les masques aussi qui est vraiment sélectionné, pas l'image. Vérifiez bien que les masques est sélectionné. Si c'est bon, je vais maintenant prendre l'outil dégradé. Je viens sur l'autre, l'outil pour de peinture, je fais clic droit et je prends l'outil dégradé. Et si c'est en couleur, je vais mettre ça en noir et blanc. Je clique là au milieu et je clique sur noir et blanc qui est en première position. Après, je fais OK. Maintenant, c'est en noir et blanc. Et il y a plusieurs types de dégradés. Par exemple, ça c'est dégradé linéaire, dégradé radial et ainsi de suite. Donc, je vais travailler sur l'outil dégradé linéaire. Je prends l'outil dégradé et je me place par exemple là. Je clique et je monte. Une fois arrivé là où je vais, je laisse et puis vous voyez que non, j'ai maintenant l'image en dégradé. Et je peux aussi inverser les dégradés si je veux bien. Il s'agit de faire deux fois clic sur la vignette des masques. Je fais deux fois clic et je viens sur inverser. Je clique, vous voyez que non, j'ai inversé les dégradés. Je peux inverser, voilà, c'est bon. Et c'est possible aussi de supprimer les dégradés. Il s'agit de séparer l'image et la vignette des masques. Je clique là au milieu et je prends maintenant la vignette, je mets dans la corbeille. Vous voyez que non, j'ai supprimé les dégradés. Donc pour dégrader une image, il s'agit de bien sélectionner les calques et de cliquer sur les masques de fusion et de prendre l'outil dégradé. Et vous pouvez maintenant choisir à partir de quelle zone que vous voulez dégrader. Par exemple, je peux commencer de là et je monte. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais changer l'image. Je vais d'abord supprimer ça. Je vais importer une autre image. Donc, le fichier, importer et lier. Je fais deux fois clic. Et je valide. Donc, pour mettre un dégradé, le calque est bien sélectionné. Je clique sur les masques de fusion. Avec l'outil dégradé sélectionné, noir et blanc en première position. Et je me place par exemple là et je monte. C'est bon. J'annule. Je peux aussi faire des gauches à droite. Voilà, c'est bon. Pourquoi pas? De droite à gauche. Et s'il faut inverser, je clique deux fois, je fais deux fois clic sur les masques de fusion. Et je viens sur inverser. Voilà, c'est bon. Et c'était tout. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout vraiment partager la vidéo si vous voulez bien me soutenir. Et s'il y a un souci, il y a mon numéro WhatsApp qui est là. Contactez-moi, sûrement disponible pour vous aider. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous remercie et à très bientôt.